ne plus retourner. Pour la vie de tous, la crise de notre vie, pour tout le monde, c'est ça.
Bien-aimé Pierre, nous te baptisons au nom de Jésus de Nazareth. Tu as
casse les pieds à faire votre truc. J'en prie maintenant. Saga Jésus-Christ, je crois, vois papa. Je le sais, souviens, ça va. Le sang, 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 le
Amen.
Alléluia. Jésus. Qui se tient debout? Qui se tient debout? Qui se tient un peu debout? Posez ce qui est par terre. Oh, bien-aimé, bien-aimé Israël, nous te baptisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens-moi avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Je prie que tes liens soient brisés. Que tes chaînes soient brisées. Que tes chaînes soient brisées. Que tes chaînes soient brisées. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent Jésus. Et que je prie maintenant. Croyant que le ciel s'ouvre sur toi de Jésus-Christ. Bonsoir maintenant. Je suis
Je te maudis au nom du Seigneur.
Dans l'eau de baptême. Et Jésus l'a délivré complètement et elle est devenue disciple de Jésus. Le feu d'amour.
le feu tout entier dans son corps. Ah, elle est rentrée dans l'eau. Alléluia. Ça, c'est le baptême du feu. Alléluia. Alléluia. Chantez là, chantez là. Vous aussi chantez. Chantez là. Alléluia! Alléluia!
On m'a compris quoi. Allez, derrière, plus derrière. Oh!
ressusciter avec Jésus. Je te baptise au nom de Dieu de grâce. Dans le nom de Jésus. Don't say
force qui était sans nous. Et elle ne pouvait plus supporter la force. C'est pourquoi elle s'est affaiblie. Parce que la force, elle l'a dominée, c'est la force. C'est qu'est-ce que va en paix, nous en la force de Dieu. Vas-y, viens, viens, viens. Je vais partir de l'homme de Jésus. Jésus qu'elle cherchait depuis longtemps, elle l'a trouvé aujourd'hui. Alléluia. Et je suis content de faire ce baptême-là, père de cœur. Je sens le feu. Le feu et le fire. Sois concentré. Elle s'appelle comment? Ça veut dire quoi? Emmanuel, ça veut dire Emmanuel, c'est ça? Emmanuel, tu es avec moi. Esther, c'est Esther avec quoi? Je veux bien comprendre. Tu peux me répéter le nom là? Elle a dit quoi? Approche un peu. Je veux comprendre le nom d'abord. Je te baptise au nom de Jésus. Je vais te donner un code de nouveau. Alléluia. Je vais te donner un code de nouveau. Alléluia.
pas Jésus qui nous arrête. Jésus, je te baptise au nom de Jésus. Alléluia.
Seigneur Jésus, je dis que tu es plus savant, papa. Seigneur, tu es plus savant. Seigneur Jésus, tu es plus savant et encore. Seigneur Jésus, tu es plus encore. Papa, tu l'as soutenu. Seigneur Jésus, papa, tu l'as rempli encore et encore. Seigneur, que tu as la rempli, papa. Seigneur, merci, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ça c'est le cas. Quand tu es, c'est du cadeau. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? C'est bon de Dieu, Anne Pierrette. Il baptise aussi, vous savez, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Jésus. Chopez,
Les nouveaux élus, vous avez été candidats et vous êtes tous admis pour le ciel. Maintenant, il reste à travailler pour entrer au ciel. Alléluia. Ce qui s'est passé aujourd'hui, si le Seigneur ouvre vos yeux pour vous montrer comment les anges sont en train de danser, les anges sont en train de sauter de joie. Parce que le Seigneur dit, s'il y a une seule âme qui gagne le ciel,
c'est tout le ciel qui se met en joie. Mais regardez comme ça. Donc ça fait joie multiplié par joie. Yeah. Alléluia. Mais ce que vous devez savoir, l'engagement que vous venez de prendre, ce n'est pas n'importe quel engagement. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel engagement. On a déjà passé beaucoup de temps à vous enseigner la vie chrétienne selon la sainte doctrine. Mais il est très important qu'on vous le rappelle pour que cela soit gravé sur votre cœur. Pour que chaque acte que vous voulez poser désormais, que vous vous rappelez que vous avez promis à Jésus que vous n'allez pas le trahir. Vous avez promis à Jésus de vivre pour lui jusqu'à ce qu'il ne vienne. Donc, désormais, vous devez vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous ne devrez plus chercher votre propre volonté, mais vous devez chercher la volonté de Jésus-Christ. Tout ce que vous voulez faire, vous devez vous poser cette question. Qu'est-ce que Jésus pense de ça? Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur Jésus? Ce que je veux sortir de ma bouche, est-ce que ça glorifie le nom de Jésus? Alléluia. C'est très important. Nous allons lire rapidement Alléluia. Voici ce que l'apôtre Paul recommande pour les nouveaux engagés pour le ciel. Il dit dans Éphésiens 4, verset 17, il dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Interprète. Alléluia. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens. Est-ce que vous avez compris? Vous ne devrez plus marcher comme les païens. Vous connaissez les païens? Quand le païen veut parler, il s'en fout. Quand le païen veut faire quelque chose, il ne pense à personne. Il ne pense pas à Dieu. Il ne pense pas à quelqu'un. Oui. Il fait ce qu'il lui plaît. Mais toi, le Seigneur dit, désormais tu es différent des païens. Parce que tu as fait alliance avec Jésus. Tu as attaché ton âme à Jésus. Or le païen, son âme est attachée au monde. Alléluia. Amen. Désormais, toi et Jésus, vous êtes devenus un. Donc, si tu veux faire quelque chose, si tu veux pécher là, il faut penser à lui. Il faut savoir que ah, tu veux le blesser. Alléluia. Amen. Donc, tu ne dois plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les pensées des païens sont vaines. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Les vanités. Et là, bon, on a le chrétien ne fuit pas dans les vanités. Le chrétien a un objectif. Notre objectif, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Les païens ont l'intelligence obscurcie. Leur
intelligence là, c'est noir. Donc, il n'y a pas lumière dedans. C'est pour ça qu'ils aiment faire les choses noires. C'est pour ça qu'il agit comme des. Comme ça se passe dans les ténèbres. Parce qu'ils sont conduits par l'esprit des ténèbres. Mais vous, vous êtes conduits désormais par l'esprit de lumière. Alléluia. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Les choses de Dieu, c'est bizarre. À cause de l'ignorance qui est en Dieu. Alléluia. Amen. Tu as le cœur libéré. Et désormais, c'est Jésus qui occupe ton cœur. Et tout ce que tu vas chercher à faire, c'est de faire plaisir à Jésus. Tu fais désormais de ton cœur son trône. Alléluia. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que vous avez reçu de Christ. Ce que vous avez reçu de Christ, ce n'est pas la vie du monde, mais c'est la vie de sainteté. Alléluia. Amen. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Revêtir l'homme nouveau. L'homme ancien là est mort. Dès que tu es plongé dans l'eau, il est mort, enterré. Et tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Et tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Si le Seigneur te montre actuellement ton état spirituel, tu vas voir que ta robe brille. Tu es maintenant comme on a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden avant qu'ils ne tombent dans le péché. La manière dont ils étaient couverts de la gloire, c'est cette gloire qui te couvre en ce moment. Alléluia. Et tu peux dire avec assurance que je suis désormais enfant de Dieu. Je suis
disciples de Jésus-Christ. Mais regardez ce qui s'est passé dans le jardin. Dès que Adam a péché, la gloire, l'habit de gloire que le Seigneur lui a fait porter, cet habit a été déchiré. Et c'est là il s'est vu nu. Donc toi aussi, faut pas commettre encore l'erreur de déchirer cet habit de gloire que Jésus vient de te faire porter. Il faut jamais accepter que un petit tache va rentrer dedans. Faut pas laisser petit tache de mensonge. Faut pas laisser petit tache de pensée impure. Faut pas laisser petit tache d'adultère tomber dedans. Quand ça vient, faut le repousser. Quand les pensées impures viennent, tu le repousses par la prière. Et tu lui dis, je ne suis plus ce que je suis hier. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont déjà passées. Alléluia. Amen. Il faut repousser. Alléluia. Amen. Et pour réussir, il faut que vous soyez remplis. Il faut que votre vie spirituelle soit remplie. Il faut que vous soyez consacrés. Il faut que vous priez. Il faut que vous preniez le temps pour jeûner. Pour avoir plus d'intimité avec Dieu. Regardez, quand Adam n'avait pas encore péché, il y avait une grande intimité avec Dieu. Dieu venait. Et Dieu lui parle et il se parle. Et Dieu le prend comme ça. Et il se promet dans le jardin. On a la bois, mais quand le péché est venu, hey, nous pas. Le voile, l'habit de gloire est déchiré. Et c'est minuit. Et il commence pas à se cacher à Dieu. Quand tu pêches, c'est comme ça ton âme commence pas à se cacher de Dieu. C'est loyer de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il ne faut plus te livrer au péché. Il ne faut plus te laisser au péché. Mais les péchés dans lesquels tu étais hier. Les péchés qui te fatiguaient. À partir de maintenant, tu as reçu le pouvoir de les dominer. De les dominer. De les dominer. De les dominer. Pas de force. Il faut rentrer dans le jeu. Prends un moment de jeu. Le défi du péché. Les choses, les péchés. Qui donnait la joie à ton corps hier. Il faut demander que le Seigneur te donne le défi. Donne la grâce que vous avez. Si vous vous amusez avec ça, on va vous demander de comprendre. Parce que le Seigneur dit, celui à qui on a donné peu, on va lui réclamer peu. Celui à qui on a donné beaucoup, on va lui demander beaucoup. Le chrétien qui est en Afghanistan, qui n'aura pas la grâce d'écouter la sainte doctrine, d'écouter tout ce que vous avez écouté, on va lui réclamer peu. Mais vous, on vous a tout donné. On vous a tout donné. Donc on va vous réclamer aussi beaucoup. Donc il faut veiller vraiment sur vous. Que la parole de Dieu soit votre guide. Marchez-y. Alléluia. Si quelque chose vous trouvez, il faut aller sur vos genoux. Prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Le Seigneur va vous orienter. La vie chrétienne est tellement simple. C'est simple. C'est nous qui pensons que c'est compliqué. Oh, c'est une plus de liberté. Le monde n'est pas libre. Alléluia. Amen. Le monde n'est pas libre. Toi, là où tu es, tu ne peux plus avoir peur du sorcier. Tu ne peux plus avoir peur des chamans. Mais celui qui n'a pas Jésus, il est obligé d'avoir des amulettes, des calebas sous son lit, éventail devant sa porte, des amulettes quelque part. Et pourtant,
Seigneur Jésus-Christ, c'est un notre roi, papa, nous remercions. Merci. Papa, c'est avec quelques joyeux que nous sommes devant toi. Seigneur, voici ce que tu as permis que nous gagnions pour toi. Voici les armes que tu nous as confiées. Père éternel, c'est toi le bon berger. Papa, nous en sommes venus, nous avons proclamé l'évangile. Ils ont reçu ta parole. Ils ont passé par la délivrance. Et nous sommes nous avons amenés aux eaux de baptême. Et les voici, Seigneur. Nous te les présentons. Que le nom de chacun de soit exprimé. Que Dieu ne vienne effacer leur nom. Mon Dieu, pour voir que ceux-ci, tu les gardes. Tu marques chacun de ton saut. Je prie, Seigneur Jésus, que rien de ce monde, ni la persécution, ni les épreuves, ni tout ce qui va arriver, oh mon Dieu, mon roi, ne puisse les enlever du chemin. Père éternel, je prie. Que tu les affermis à la foi. Seigneur Jésus, tout ce qu'ils ont entendu, ces paroles d'exhortation à la vie de sainteté, à la nouvelle vie à laquelle ils sont appelés. Mon Dieu, mon roi, ce sont des nouveaux enfants au ciel. Ils viennent de naître au ciel. Oh mon Dieu, mon roi, je prie que ton ami les protège. Partout sur cet esprit que tu verses. Mon Dieu, mon roi, je te prie que tu les bénisses, Seigneur. Que tu les fasses grandir dans la foi. Père éternel, je te prie, assiste-les dans les intérêts, dans les prières, dans les prières. Papa, qui ne retourne pas encore vers les choses qu'ils ont vomi. Mon Seigneur, tu n'es pas un Dieu sous. Un Dieu qui entend. Je prie, papa, que tu recrutes les dons que tu as mis dans la vie de chacun de nous. Que ces dons maintenant sont flammes. Que chacun de soit comme des flammes de feu. Qui va envahir les rues de Togo. Qui va envahir tous les coins de Togo. Et que tout le Togo soit embrasé de la flamme de feu du réveil. Seigneur, je te utilise cela. Comme des prémices du réveil au Togo. Seigneur, je prie pour la vie de chacun de tes serviteurs. Nous savons que notre force est tirée par toi. Saint-Esprit, fortifie-nous. Saint-Esprit, fortifie-nous. Donne-nous un repos afin que nous reprenions nos forces pour les missions qui continuent bien encore. Seigneur, je te prie, tous ceux qui ont encore le cœur troublé, je te prie de les apaiser. Papa, notre retour est dans ta main. Nous te remettons tout, nous te prions. Nous gardez-nous pour lui, Seigneur. Dans nos maisons respectives. Et que demain nous revenions encore t'adorer, te louer, te chanter, élever nos voix, témoigner de ta puissance, témoigner de ta gloire. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez une mission accomplie, c'est d'amener ceux qui sont dehors, comme vous étiez hier dehors. Vous allez les amener aussi. Amen. Donc, l'évangélisation. L'évangélisation. Amen. Amen. Amen.